Du chemin maintenant. Voilà un patrouilleur. Inutile de rester. Non, rien à faire. Ils étaient là en temps voulu. Ils ne pouvaient pas le manquer. J'aimerais savoir qui les a fait revenir. Jason King, des dessins insolites. Scénario Robert Banks Stewart. Réalisation Cyril Frankel. Allô, ici le bar. À l'intention des passagers du vol 257, vol à destination de Tokyo. Nous avons le regret d'annoncer que le vol est annulé. Un vent extrêmement violent barre la route depuis Delhi. Le départ aura lieu dès que possible. Bonjour. Les rafraîchissements vous seront servis au bar. Bonjour. À cette heure de la journée, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que je dois avaler un dernier verre ou bien un petit déjeuner? Oh, pamplemousse ou orange? Point, quelle horreur. Double scotch. On demande Monsieur George Wang au bureau des informations. Monsieur George Wang. On essaie d'augmenter le tirage, Monsieur King. J'essaie d'accommoder l'appétit de mon public. Un jour, j'ai transporté ailleurs une boutique entière, à New York. Oh, j'en suis certaine. Voulez-vous voir la presse du matin? Malheureusement, il ne me reste que le Hong Kong Record en chinois. Donnez-le. Et si vous m'offrez
Un verre, je vous le traduirai. J'en serais ravi, Monsieur King, mais je suis occupée, là. Ah, vous dites cela depuis le départ de Rome. Oh, mais il y a marqué, là, Monsieur King. En chinois? Oui, regardez, en bande dessinée. Ça n'a aucune importance. On aime marquer dans n'importe quelle langue sur la terre entière. Vous n'êtes pas exigeant sur votre œuvre. Vous avez bon caractère. Oh, j'écris les bouquins. Ensuite, je laisse aux autres le soin de les vendre. Ah, le voilà. Mais là, c'est en anglais. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Monsieur King? C'est étrange. Ils ont changé. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais écrit ça. Mais si vous ne l'avez pas vu encore, comment savez-vous qu'on l'a changé? Certains détails, mademoiselle. Certains détails des choses peut-être insignifiantes, mais c'est différent. Et ça n'est pas à cause de mon chinois, sachez-le. Et quelle heure est-il à Londres? Je sais, Jason. C'est moi qui suis impatiente. Si l'on considère que vous téléphonez à nos frais, et cela depuis le bout du monde... Oh, Nicole, je suis très pressée. Je prends l'avion pour Tokyo dans une minute. Ça y est, je l'ai. Il s'agit de celui où l'on voit le héros Mark Kane avec la princesse. Oh, très joli titre. Et que fait-il? Oh, eh bien, un des antagonistes s'en va au volant de sa voiture. Ensuite, il ouvre la porte de son cabinet à Mark Kane. De son cabinet? Vous êtes certaine qu'il ne s'agit pas de photographe? Mais non, il s'agit d'un dentiste, Jason. Je vois Mark Kane dans une chaise, menacé par la roulette. Ensuite, Mark Kane réussit à le frapper. Nicole, reprenez tout. Racontez-moi l'histoire. Chaque mot, chaque détail. Vous allez aussi décrire chaque détail de la bande. Je m'excuse de venir vous trouver ici en personne, mais j'ai pensé que la situation l'exigeait. Tu es certain qu'il s'agit bien de ce Jason King? Absolument, oui. Il a téléphoné à Londres et n'a pas pris l'avion de Tokyo. Il n'a même pas pris le temps de récupérer ses bagages. Où est-il à cette heure-ci? Il n'a pas quitté l'aéroport encore. Je me suis dit que si on le retenait, ça pourrait peut-être nous servir. Comment peux-tu faire ça? J'ai un ami à l'immigration. Monsieur King a des papiers pas du tout en règle. Il lui faut une nouvelle vaccination pour entrer. Et le médecin de service ne sera là que vers 8h30. Bon, nous allons voir ça. Dès l'instant où l'on a pris contact avec un agent supérieur, on devient dangereux. Il faut alors employer des moyens préventifs. Commettait une erreur. Vous croyez? Celui-ci est atroce, mal écrit. L'histoire est invraisemblable. On sait déjà tout au chapitre 3. Alors, si je peux vous en suggérer un meilleur dans lequel le chef de la police est innocent. Écoutez, je peux choisir mes livres moi-même, monsieur. Non, j'ai horreur de ça. Je cite. Détails saisissants, situation criante de vérité, violence jamais inutile et le genre de roman que chacun voudrait vivre, etc., etc., etc. J'en ai lu un du même auteur une fois déjà. Ça m'a paru d'une grande naïveté. J'en ai gardé très peu de souvenirs, je dois dire. Je suppose que c'est dû à la traduction. Je vous assure que celui-ci est une pure merveille. Lisez-le, vous en serez enchanté. Ensuite, je vous conseille... Ah oui, voici le petit livre rouge, le meilleur choix du mois. Il s'engage ensuite dans la police en qualité de médecin légiste. Vous l'avez lu. J'irai très loin pour faire vendre un de mes bouquins. Votre café, docteur. Docteur? Mais vous êtes la personne dont j'ai besoin. Je croyais attendre ici encore des heures. Mais que voulez-vous dire? On ne veut pas me laisser quitter les lieux sans m'être fait vacciner. Je ne croyais pas qu'on exigerait ça de moi. Oh, vous devez faire erreur, Monsieur King. Je ne fais pas du tout partie du personnel de l'aéroport. Je ne peux pas vous aider. Je dois attendre mon employeur. C'est un grand invalide. Vous êtes qualifié? C'est certain, oui. Alors allez chercher la clé du cabinet médical et vous me faites ce vaccin. Vous m'avez dégonflé un peu tout à l'heure, faudrait donc ne pas continuer. Oh, si je vous ai offensé, Monsieur King, c'est bien votre faute. Il y a des orphelins ici, hein? Faites-moi cette piqûre et je fais une donation. Oh, d'accord. De $200.
Locaux ou américains? Américains. 200 dollars? Ben, c'est du vol à main armée. En 10 secondes, 20 dollars la seconde. C'est un record, même par charité. Je ne croyais pas que vous payeriez. Je suis sûr que Mark Kane aurait sauvé les enfants et aurait eu sa piqûre gratuitement. À moins qu'on lui ait inoculé un poison ou une très forte drogue, qui sait? Nous avons fait connaissance très fortuitement. Oh, je vois. Madame, j'ignore encore votre nom. Madame? Mademoiselle. Mademoiselle? Cameron. Lucy Cameron. Voulez-vous regarder ça et me dire si la traduction est faite correctement? Mon avis, on l'a nettement amélioré. Non, c'est une idée. Le mien est très simple, très net, sans effet inutile. Alors que celui-ci est chargé. Regardez, c'est trop... Oh, ça me semble bien illustré. Je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi t'ont voulu changer l'histoire et les illustrations? Ça tombe bien qu'un humoriste local a voulu s'essayer, un point, c'est tout. Il aurait dû choisir un autre sujet que celui-là. Avec des pirates. Allez-vous demander des comptes à l'éditeur? Oh, ça, certainement. Et j'espère qu'il comprend le dialecte shangui, c'est le plus riche en matière de jurons. Il est irlando-américain. Il s'appelle Finnegan. Sam Finnegan? Jason. Ah, sacré Jason, vieux pistolet. Salut, Sam. Ça fait plaisir de vous revoir. Mais tout est changé ici. Ah oui, en effet. Toujours aussi élégant, hein? Et de plus en plus célèbre aussi. Non, allons, Sam, je suis resté le même, je vous le garantis. Un peu plus tolérant, peut-être. Qu'est devenu le super journaliste que j'ai connu, l'homme qui lisait le livre de Mao dans le texte sans se tromper, hein? Ah, il n'est pas loin d'ici. Jason, il s'est marié récemment. Oh non, sachez que c'est toujours le troisième qui est le bon. L'une de vos meilleures qualités est que vous n'êtes pas capable de refuser quelque chose. Ça doit être ça. Ça me fait plaisir de vous revoir. À moi aussi. Je dois vous avouer que j'aimerais mieux en vouloir à quelqu'un d'autre. Ah, hein? Quand j'ai reçu le message, je suis allé à la rédaction, mais c'était trop tard. Ce qui fait que je n'ai pas pu m'en occuper. Vous êtes sûr qu'on a tout changé? Regardez. Je comprends rien. Qui donc s'occupe des dessins? Eh bien, c'est un peu ridicule, Jason, mais j'en ignore les raisons. Le contenu des bandes dessinées n'est pas sous mon contrôle direct. Je suis très occupé avec les nouvelles, je n'ai pas beaucoup de temps pour le reste. Même pour Mark Kane. J'ai un responsable qui se charge de ça. La négligence ne compte pas parmi vos défauts, Sam. Mais cet incident va vous coûter le prix d'un bon repas dans le meilleur restaurant de Hong Kong. C'est d'accord. Avec plaisir. Tous les dessins nous arrivent en langue originale. Et nous n'avons qu'à traduire. Nous employons un traducteur agréé qui met le texte en chinois. Sans changer les illustrations. Bien sûr. On remet le nouveau texte à sa juste place et ensuite, on fait tirer. Le traducteur de Mark Kane a voulu sans doute faire du zèle. Il en a trop changé. Je ne sais même pas qui c'est. Je n'ai qu'un personnel permanent très réduit et je laisse le soin à chaque responsable d'engager à la pige toutes les personnes qui sont nécessaires, y compris les traducteurs. Est-ce qu'on peut contacter ce traducteur? Une minute, je vais peut-être avoir des détails. Je vais répondre. Finnegan? Oui, ah bon? Les trois dernières? Ah, bien sûr, oui, mais la faute. C'est un ingénu. Voyons qui osera encore faire ça. Du chinois. Oui, oui. Je verrai ça aussi dès ce soir. Bien sûr. Oui, oui, d'accord. Oh non, 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 on va s'arranger. Oui, entendu, merci. Bon, j'ai appris que la traduction a été faite par un monsieur du nom de Jimmy Foy. On dirait du Charlie Chan d'avant la guerre. C'est un de nos anciens correcteurs. Il a travaillé pour nous ici pendant longtemps. Il a été obligé de lâcher parce que sa vue avait baissé. Il vit sur un bateau à Kowloon. Je pense que ses traductions de bandes sont en fait ses seules ressources. Je vais me faire un plaisir de lui offrir une nouvelle paire de lunettes. Ne soyez pas comme ça, voyons.
Écoutez, Jason, je promets que cette affaire va être réglée très rapidement. Soyez-en persuadé. Vous pouvez donc partir pour Tokyo. Je dois d'abord aller voir mon tailleur. Pour un passeport. Désolé, mademoiselle, revenez dans une heure. C'est extrêmement urgent. Il faut que je prenne l'avion avec mon passeport en règle. J'ai ma sœur qui est malade à Taïwan. C'est bon, entre eux. Nous allons faire ces photos. Oh, regardez vers moi. Levez un peu la tête. Voilà. Une de plus. Ne bougez pas. Voilà. Je vais les faire tout de suite. Combien de temps ça prendra? Oh, venez donc. Dans un quart d'heure. Je préfère attendre ici, si vous permettez. Si vous voulez. Prenez un siège, je vous prie. Fermez la porte, vous allez tout gâcher. Monsieur Wing, par ordre des autorités de la République populaire de Chine et pour avoir fait du contre-espionnage, je suis ici pour vous exécuter. Qui est ce personnage? Monsieur King. Cet hôtel a beaucoup changé. Je n'y ai jamais vu encore de personnage aussi amusant que celui-là. C'est votre employeur? Oui, Monsieur Tsung. Je le croyais frêle et octogénaire. Il a l'air très actif. Oui, Sapolio ne l'a pas empêché de devenir millionnaire. En dollars américains ou chinois? Américains. Et que fait-il? Oh, il traite pour l'instant une délicate affaire. Il refuse de sortir avant qu'il soit réglé. Et il pense aussi qu'il est préférable de traiter ce genre d'affaires sans témoin. Alors il utilise l'ascenseur. Ça n'est guère pratique pour les clients. Oh, il est propriétaire de l'hôtel. Otsé. Otsé. Oh, veuillez me pardonner, je vous ai fait attendre. Pas du tout, voyons, c'était divertissant. Monsieur Tsung, ce monsieur est Jason King. Jason King? Oh, le grand Jason King. J'en ai bien peur, oui. C'est un très grand honneur de parler ainsi au grand maître en personne, monsieur, au créateur de Mark Kane. Je suis très flatté et très heureux d'avoir pu vous donner quelque occasionnel plaisir. Occasionnel? Oh, mais j'ai tout lu, monsieur, toute votre œuvre. Comptez-vous rester longtemps, monsieur King? Oh, pas plus d'une nuit, je crois. Dans ce cas, j'insiste pour vous avoir à ma table ce soir en tant qu'invité. Vous êtes très aimable. Hélas, j'ai déjà une invitation à dîner pour ce soir. Sam Finnegan et sa nouvelle épouse. Dans ce cas, soyez donc tous mes invités ce soir. Voyez-vous, j'ai de gros intérêts dans les journaux locaux. J'adore les gens de la presse. Et Sam n'est pas seulement, disons, un employé, mais c'est aussi un ami, un très bon ami. Alors ce soir, nous dînons à bord de mon bateau. Lucy, vous donnerez des ordres. À ce soir, donc, Monsieur King. Ça devient affreusement cher, Lindsay. C'est pire qu'avant. Et si je vous prends les deux, combien? Ah, nous faisons bien sûr réduction si on prend deux à la fois. Vous ne changerez jamais. Alors les deux? Ça fera combien? Je ferai 20%. Oh, c'est très joli. Vous trouvez? Spécialité du pays. C'est entendu, je prends les deux, mais je le veux très vite. 3 ou 4 heures. Vous faites le bleu d'abord. Entendu, ce sera fait dans 2 heures. Lindsay, je vous emmène à Londres et mon tailleur se mettra à votre entière disposition pour faire de la production en masse. Alors, le bleu sera prêt ce soir et l'autre dans la matinée, d'accord? Entendu. Merci. Au revoir.
Et voilà, Jason. Qu'est-ce que c'est? Une tenue de soirée. Mais ça ne me va peut-être pas du tout. Non, je suis sûr que si. J'ai eu vos mesures dans les dossiers de la police locale. Oh, je crois que je sais pourquoi les dessins ont été changés. Combien en avez-vous changé? Le petit les a pris tous il y a quelques semaines déjà. 4 ou 5, je crois. J'ai fait la traduction sans utiliser les textes originaux. C'est votre travail? Celui-là, en effet, oui. Et puis le précédent, ainsi que celui qui va paraître. Ensuite, nous reviendrons à l'original. Vous avez fait ça de mémoire? Et du mieux que j'ai pu, oui. Je croyais que ce qui comptait d'abord, c'était que la bande puisse paraître. Alors je l'ai refaite. J'ai dû travailler très fort. Mais voyons, il fallait le dire. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Il fallait m'en parler. J'ai eu peur de le dire, Monsieur Finnegan. Je craignais que les dessins ne viennent pas à temps, que ça retarde l'impression. J'ai eu très peur d'être mis à la porte. J'ai tenté la chance. C'était risqué. Nous en reparlerons une autre fois. Voilà l'explication, Jason. Qu'en dites-vous? Cela vous satisfait? Oui. Et qu'en pensez-vous? C'est à vous de décider. Si vous voulez, je peux encore faire paraître un rectificatif. Peut-être est-il possible de continuer avec notre Mark Kane hybride un jour ou deux. Oh, ça ne changera rien. Le petit garçon a trouvé les dessins. Il a joué avec. Il en a fait peut-être des avions ou des bateaux et son père lui a tranquillement recommencé. Ce monsieur Foy a toute mon admiration. De plus, je lui envie le plaisir qu'il a de guider les pas de Mark Kane au cours de ses aventures héroïques. Vous ne le renverrez pas. J'userai de mon influence pour qu'on le garde. Pour un monsieur fatigué des yeux, il a réussi un travail plutôt étonnant. Ne crains rien, je ne suis pas un sauvage. Non, il ne sera pas renvoyé. Pourquoi ne faites-vous pas éditer son travail? Mais j'en ai bien l'intention, je vais étudier la question, mon cher, et vous serez réduit au chômage. Sam, vous êtes très reconnaissant. Ça, je peux dire que oui. Si j'avais eu affaire à un autre, j'aurais eu la justice sur le dos pour n'avoir pas respecté le texte original d'une œuvre, et M. Tsung m'aurait sans doute mis dehors à mon tour. Je vais appeler dès demain mon éditeur, j'expliquerai tout. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qui êtes-vous? Allez prévenir vite Jason King. Elles viennent de mes parcs personnels, cher monsieur. Elles sont accompagnées d'une sauce de tortue verte. Ça semble délicieux, hélas. Je crains que si je mange encore plus, je vais être malade. Je viens d'atteindre mes limites. Je risque d'empêcher mon avion de décoller. À quelle heure allez-vous partir? Quand mon tailleur m'aura remis mes costumes. J'espère qu'ils m'iront. Je vous écoute. Mademoiselle, et c'est l'hôtel qui a donné votre numéro. Il faut que je parle avec Monsieur King. Je vais le chercher. Jason, on vous demande au téléphone. Suivez-moi, je vous prie. Faites, Monsieur King. Je vous remercie. Veuillez m'excuser. Merci. Oui? Oui? Non, il a dit pourquoi? Est-ce que c'est très urgent? Non, non, inutile. Il a un accent affreux, le pauvre, il doit être cantonné. Voulez-vous vous assurer que j'ai bien tout compris? Je vous écoute. Oui? Oui, entendu. Oh, bien sûr. Oui. Merci, entendu. C'est un message de votre tailleur. Les costumes seront faits à la première heure demain, comme convenu. Mon tailleur? Il a téléphoné ici à une heure pareille? C'est un de ses aides. Je vous sers à boire? Merci. Regardez. Regardez, Monsieur King. J'ai une splendide collection de vos romans. Les œuvres de ce genre-là, cher monsieur, aident beaucoup les gens comme moi à se détendre. C'est tout de même dommage que Monsieur Foy ait changé l'histoire. Ce n'est pas très grave. Lorsque Lucie m'a parlé de ce mystère, j'ai voulu voir ce qu'était l'original. J'aime beaucoup voir Mark Kane au travail. Êtes-vous vraiment comme Mark Kane, Jason? Oh non, pas du tout. Ah, ne le dites à personne. Pourquoi? Je trouve les idées, je le place dans les plus impossibles situations, mais comme nous avons le sens du ridicule, l'un de nous sait toujours s'en sortir. À votre santé. À votre santé. Je vais vous parler. Il est bien fort, cet alcool. Et si votre modestie ne devait pas en souffrir, j'aimerais avoir votre autographe, Monsieur King. Oh. Oh. Je crois que j'ai dû trop manger. Jason.
Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va? Il faut qu'il se repose, c'est tout. Ce doit être dû à la réaction que provoque son injection. Ne craignez rien, je vais rester près de lui. D'accord. Ma femme et moi, nous allons rentrer. Dites-lui que je le verrai demain avant le décollage. Bonsoir. C'était très bien joué. Un peu radical, mais très bien et très convaincant. Mark Kane a souvent séduit de cette manière-là. Est-ce que je dois craindre quelque chose? Ne soyez pas trop sûr. Alors, que se passe-t-il? Je ne pouvais rien dire devant les autres au sujet de cet appel de tout à l'heure. Sam était trop content que l'affaire des bandes soit arrangée. Qui vous a appelé alors? Un homme qui semble âgé. Il avait l'air apeuré. Ce que j'ai compris, c'est qu'on lui a dit de vous avertir que vous étiez surveillé. Par qui? Ça, je l'ignore. Mais il y a encore plus urgent, Jason. Chut, chut, chut. À cause de Mark Kane, un homme du nom de A.J. Wing est en danger. A.J. Wing, qui est-ce? A.J. Wing. En mandarin, c'est Yong. Ça signifie quoi d'autre? C'est une aile. Vous croyez que c'est peut-être un code? Une aile? Un vol? Peut-être, oui. C'est peut-être bien une mise en garde. A.J. C'est Air Japon. Je ne dois pas aller au Japon, c'est ça. Que faites-vous? Désolé, Mark Kane. Ce A.J. Wing existe. Il vend des appareils aux arcades Chang'an. C'est à Kowloon. Vous êtes très forte. Passez par derrière. Vous, enfoncez cette porte. Vous l'avez vu? Non. Wing est mort depuis des heures. Alors, qui était là? Et que cherchait-il? Je n'en sais rien, mais je connais son visage. Je l'ai déjà vu. Je ne sais plus très bien où. Voyons, Jason, ce n'est pas sérieux. Sûrement votre malaise. Vous aurez sans doute imaginé ça. Un cauchemar. J'aimerais mieux. Monsieur Wing a été tué, j'en suis sûr, mais il était marié. Vous voulez dire que la bande dessinée deviendrait une réalité, qu'elle prendrait vie? Oui. La vie en dessin devient chaque jour réalité. Et on la vend à des millions de gens chaque jour. On leur offre en supplément deux ou trois crimes impunis, ce qui est encourageant. Alors, vous voulez dire que chaque édition de mon journal prépare ou précède l'exécution d'un assassinat? Il me semble que c'est cela, oui. Ça n'est peut-être qu'une simple coïncidence. Non, j'ai reconnu le numéro. Sa voiture était devant la porte et l'enseigne de son magasin de photographie est identique à celle du dessin. L'avez-vous dit à la police? Non, mes relations avec les forces de la police sont plutôt, disons... Ah oui, mais je comprends. J'ai l'impression d'ailleurs qu'elle cherche à renouer nos relations. Ce n'est pas, hélas, par sympathie. Mais pourquoi? Parce que j'étais penché sur le corps de Wing quand les policiers sont venus frapper à la porte. J'ai même pensé aussitôt qu'ils avaient été avertis de ma présence. Mais seulement, je n'ai pas eu le temps d'approfondir la question. Je me suis éclipsé très vite. En catastrophe, je l'avoue. On dirait bien en effet que la bande dessinée devient réalité. Et si vous avez raison, mon journal me semble être sans aucun doute impliqué
Le vieux dessinateur pourrait nous éclairer. Écoutez, je suis vraiment navré. J'ignorais ce qui allait se passer. J'ai un rendez-vous avec un de nos ministres à Macao. Je suis forcé d'y aller, je regrette. De toute façon, M. Foy doit venir au bureau cet après-midi. Alors le mieux est que vous partiez pour Tokyo, comme vous l'aviez prévu, et je le verrai. Je le questionnerai. J'espère que ce n'est pas la police. Et ça ne vous ennuie pas de... Oh, si, si, beaucoup. Alors je le ferai. Merci, Jason. Koe, Shiwea? Oui, j'attends. Dites-lui de monter. C'est mon tailleur. Il m'envoie mon costume. À tout à l'heure, Jason. Bon, je vous vois avant le départ. Oui? C'est le tailleur, monsieur. Monsieur Nang. Je suis son associé, monsieur. J'ai apporté la jaquette. Monsieur Nang apportera le pantalon. Voulez-vous essayer cette veste, monsieur? Ah, enfin. Oui, je crois qu'il a renoncé à la mauvaise habitude de monter des renforts sous les épaules. Restez où vous êtes, s'il vous plaît. Mais c'est sacrilège de gâcher une merveille du genre de celle-ci. Surtout que je ne l'ai pas encore payée. C'était... J'espérais vous distraire en faisant tomber le téléphone. J'aurais pu, alors, ça aurait réussi avec Mark Kane. Tout est facile pour lui. Je vais malheureusement devoir vous tuer, Monsieur King. Oh, comme dans le journal. Voulez-vous l'essayer? Laissez tomber. Très jolie cravate. Entrez. Jason. Ah, oh, bonjour. Je me demande ce que va dire Monsieur Nang. Jason, vous êtes sûr que ça va marcher? Ils ont essayé de me tuer. S'ils en sont arrivés là, c'est parce qu'ils sont désespérés. Vous auriez dû attendre le retour de Finnegan. Cela m'aurait retardé. Foy croit que l'affaire est arrangée. Avec un peu de chance, personne ne l'aura averti. Moins qu'il ait le téléphone sur son bateau. Monsieur Tsung serait furieux s'il savait ce qu'il a manqué. Comment ça? Il est parti à bord d'un hélicoptère sur un cargo grec. Il doit revenir en Chine que demain. C'est très bien. Il vaut bien mieux que personne ne soit au courant de ce qui se passe. Le bateau de Foy est le second au fond, celui où on a mis du linge. Je vois. Dites que je vous ai envoyé porter des jouets. Apprenez-lui incidemment que je suis monté seul jusqu'au pic. Voyez sa réaction. Mais s'il ne fait rien, comment ferons-nous? Oh, faites-leur croire que vous êtes docteur. Oh, merci. Vous savez bien de quoi je parle. Essayez d'intéresser la femme, trouvez quelque chose. Si jamais il quittait son bateau et qu'il contacte quelqu'un, je serai là à l'attendre. Bien sûr, à moins qu'il ne le téléphone sur son yacht. Allez vite. Que se passe-t-il? Venez voir, vite. Baissez la tête. Est-ce que c'est ce bateau? C'est celui-là. Hier, il était encore habité. On aurait imaginé un centre de réfugiés en plein transit. Eh bien, toute la famille Foy semble avoir évacué, non? Eh, hey, mais où allez-vous? Oh, les voisins n'ont pas l'air d'être très accueillants, mais on peut, avec de la diplomatie, leur tirer une parole ou deux.
si vous n'étiez pas venu hier soir avec Sam, je penserais que c'était une hallucination. Avez-vous appris quelque chose? D'après ce que disent les voisins à qui j'ai pu parler, cette carcasse de bateau n'a pas été utilisée durant les années précédentes, sauf de façon occasionnelle par des mendiants. Il y a pourtant du linge dehors. Une des femmes dit qu'il est à elle. On a pu les payer pour dire ça, qui sait, mais j'en doute. Est-ce que Sam connaissait déjà Foy auparavant? Non, il ne l'avait jamais vu. Pourquoi? On dirait que quelqu'un vous a bien joué, Sam et vous. Quelqu'un du journal, bien sûr. C'est un excellent diagnostic, docteur. Vous allez raconter tout ça à la police? Non, ce ne serait pas une bonne idée. Mais si, au contraire, Monsieur King. C'est une idée des plus intelligentes. Vous menez une vie pleine d'imprévus. Non, oui, je passe mon temps à me cacher. Quelle vie, en effet, c'est vraiment enchanteur. La police se fait une curieuse image du bonheur. Nous ne savons pas encore ce que nous cherchons. Vous avez au moins un résultat. Vous avez pris un meurtrier. Santé? Santé. Qui a été inventé ces histoires de messages dans ces absurdes bandes dessinées? Désolé, rien de personnel. Mais si, c'est personnel, puisque cela me concerne. Je trouve que c'est un excellent moyen. Vous avez découvert ça? Oui, nous avons remarqué la coïncidence. Ça permet d'envoyer des messages de façon discrète. Nous avons su qu'un corps d'élite avait été débarqué ici à Hong Kong. Nous avons aussitôt tendu nos filets. Ils ont des douzaines d'agents, des centaines d'informateurs. Hélas, s'ils ont pensé que le contact normal présentait des dangers, leurs envoyés risquant beaucoup trop. Il ne se fie qu'à leur maître. C'est ça. Alors ils lisent Mark Kane chaque jour et selon un code bien établi, ils vont faire leur travail. Et s'ils sont arrêtés, ils ne diront rien du tout puisqu'ils ignorent qui leur donne des ordres. Oui. Sam Finnegan est prêt à vous aider. Il y a encore une chose que vous ignorez. Fred Wing était un de nos meilleurs agents. Ils l'ont tué. On n'a pas réussi à les prendre. Durant son activité, il avait remarqué quelques suspects dont il a fait des photographies qu'il gardait dans un tiroir secret de sa maison. De simples clichés qu'il a gardés en cas de nécessité. Rien de plus. Mais qui peuvent nous être très utiles. Et nous constatons qu'il avait celui-ci. Ce qui est assez curieux, je dois dire, parce que si Fred Wing avait su quel métier cet homme exerçait, il serait peut-être encore en vie. Vous le connaissez? Que fait-il donc? Il s'occupe de la page des bandes dessinées. Tiens, tiens. Il ne jouait pas ce rôle lorsque je l'ai rencontré. Voulez-vous nous aider, Monsieur King? Bien sûr. Il m'a complètement gâché un costume neuf. Qu'il serait sage que vous alliez consulter un médecin, en particulier après ce qui s'est passé à votre hôtel. On vous a parlé de ça? Bien sûr. J'ai appelé votre chambre dès mon retour de Macao et on m'a dit que vous aviez disparu. J'étais inquiet. Comme Monsieur Foy. Et comme mon chef des bandes dessinées. Il a disparu? Li Chang? Bien sûr. C'est lui, en fait, qui nous a envoyés chez Foy sur le bateau. Il doit se méfier de nous. Et je doute qu'on le voie à nouveau avant longtemps. Allez-vous arrêter l'édition des bandes, dites-moi? Non. Non, c'est inutile. Venez, je vais vous montrer. On a reçu du matériel ce matin. On va s'y mettre. Je ne les ai pas encore vus, mais les clichés ont l'air très bons. Ils semblent tout à fait conformes. D'ailleurs, pour être sûr, j'ai traduit le premier texte moi-même et je vous l'aurais montré, mais le seul de nos employés qui nous restait l'a emmené à l'impression. Je lui ai recommandé de veiller dessus comme sur sa vie, jusqu'à l'apparition du journal. Oh, au fait, je me rappelle, j'ai encore un papier à sortir avant ce soir. Sam, que se passe-t-il au juste? Comment ça? Je vous considérais comme le seul honnête homme dans cet opéra de corruption. Vous parlez de ce que j'ai fait depuis que je suis avec M. Tsung. Eh bien, vous savez, je n'avais pas le choix. Il faut bien que l'on mange chaque jour, je sais. Oui. Au fait, est-ce que la police vous cherche encore? Sans doute que oui. Mais pourquoi ne pas venir sur le bateau de Tsung quelque temps? Il n'est pas là et, de toute manière, il serait heureux de vous aider. Pendant ce temps, la police éclaircira l'affaire. Et vous serez innocenté. Et c'est une très bonne idée. Et je suppose que ça va vous paraître quelque peu comique, mais vous allez partir discrètement de ce côté-ci. Ah. Mieux vaut être prudent. Une bonne idée. Merci, Sam. Jimmy.
attendez. Avant. Oui, oui, je sais. Je vais attendre. Je verrai les résultats dans l'édition. Allez donc sur le bateau et surveillez King. S'il fait un mouvement un peu suspect, téléphonez-moi aussitôt. Entendu. Faciliter les choses, si ça s'était passé comme sur le dessin. Hmm? Oui, l'exécuteur anonyme. Le policier dans son uniforme. Ça ne m'aurait pas trompé, Sam. C'est dommage. Je croyais que c'était une bonne idée. Oui, elle aurait été très bonne si j'en avais pas averti la police. Oh, la fiction ne va pas vous sauver cette fois, Jason. Pourquoi êtes-vous revenu? J'ai vu les lunettes du dessinateur. Ils sont au courant de tout, Sam. Ils savent qui est Li Chang. Ils ont appris que... Allons donc. Vous bluffez. Ça se peut, oui. Je regrette. J'aurais voulu ne pas avoir à vous faire ça. Navré, cher ami. Voilà des sentiments qu'on n'aime pas au parti. Quand avez-vous décidé de vous mettre sous la bannière rouge? Après mon mariage avec Ming. Bon, je ne l'ai pas fait par idéologie. J'ai été contraint. Sa famille est de l'autre côté de la frontière et si je n'avais pas accepté, il les aurait tués. Oui, c'est un coup classique. Tout ce que j'ai fait, c'est passer des ordres. De qui venait-il? J'ai l'impression que vous bluffez. Vous n'êtes au courant de rien. Je pense que... Allez, prends le bâtiment! Regardez ce qu'ils allaient passer demain. Sam allait faire imprimer ça? Vous le donnerez à votre patron en souvenir. Il pourra le faire encadrer. Vous l'avez eu? Hélas non, il a réussi à s'enfuir. Nous allons le rechercher. C'est notre seul lien avec le reste de la bande. Il nous le faut. À moins que M. Foy n'ait pas perdu complètement la vue en surveillant le bateau de M. Tsung. Comment ça? Mark Kane est sûrement encore un bon contact pour ceux qui liront le journal demain matin. Commis d'erreur, le lecteur ordinaire ne va rien comprendre du tout. Mais est-ce que les autres vont avaler ça? Les hommes sont prêts à qui? Quand saurons-nous qu'ils sont à bord, Jason? Dans ce genre de profession, il n'est pas recommandé d'être en retard. Ils ont reçu l'ordre de venir ici. À 10h30, ils seront là, soyez-en sûrs. Et ils croient que vous êtes avec eux. Vous allez jouer votre rôle. Monsieur Tsung. Vous êtes sûr? Oui, il a choisi son moment pour revenir au bateau. Voulez-vous que je l'avertisse, Jason? Non.
Maintenant, moi, je vais l'avertir. C'est moi qui dois mener le jeu. Inutile de nous montrer pour l'instant. Je me suis permis, en votre absence, de... Oh, mon cher monsieur King, la seule chose qui m'aurait bien ennuyé, ça aurait été surtout de manquer tout cela. C'est si excitant. Est-ce que la police est là? Ils sont autour de votre bateau. Quand ces gens seront à bord, nous hisserons notre drapeau. C'est ce que nous verrons. Surprise, surprise. Et m'envoyer un message. Sam a laissé aller les choses, il a eu grand tort. Vous êtes derrière ces gens? Sachez que j'ai beaucoup apprécié l'occasion que j'ai eue de jouer un rôle dans une des aventures de votre héros de roman. Je me suis bien amusé, dommage que ce soit fini. C'est aussi dommage que vous ne puissiez pas utiliser cette aventure si romanesque. J'en suis navré pour vous, mon cher. Ne le soyez pas trop. Peut-être en fera-t-on une bande dessinée plus tard, si on n'en fait pas un roman. Les millionnaires et les communistes ont toujours passionné les foules. Ah, quelle idée! Hong Kong est en Chine, la porte du commerce extérieur, sachez-le, mes plus importants marchés se font avec Pékin. Et je suis tenu à faire quelques efforts pour mes héroïques camarades. Il est trop tard, vous ne les sauverez pas tous. Quand ils seront tous à bord, nous lèverons l'ancre pour un endroit sûr. Vous oubliez la police? Oh non. J'aurai toujours la ressource de prétendre que j'ai dû appareiller parce que j'étais menacé. Mais je ne vous abandonne pas du tout. Maken est mon invité. Il va lutter avec courage et malheureusement, lui et sa jeune amie seront tués et jetés par des supports. Enfermez-les. Là-haut. Tenons-nous prêts. Des vestes de sauvetage. Nous n'en avons pas besoin. Ça, par contre, ce sera utile. Voyons un peu. Bombe fumigène. Mais Jason, peut-être que c'est dangereux. Aucun autre ne s'est montré. Qu'est-ce qu'ils attendent? Par temps clair, on peut voir jusqu'à Hong Kong. Oh! Donnez le signal. La couleur rouge était bien choisie. Je préfère le blanc. C'est plus traditionnel. Je suis sûr que je ferai impression sur les foules une fois à Tokyo. Merci, il est magnifique. Où est Arthur Tsung? Il va désormais savoir ce que signifie l'absolue égalité des classes. Il va même commencer une vie simple. Ça ne le gênera guère. Il adorait traiter ses affaires dans de très petits espaces. Avant de m'en aller, Jason, il y a une chose que je voudrais bien comprendre. Celle-ci. Ah, ne me dites pas que c'est un faux encore. Oh, j'espère que non. Mais nous avons remarqué que dans les dernières bandes, votre héros Marquen apparaît dans un décor qui ressemble très fort à Hong Kong. Je vous conseille de l'avoir à l'œil. Je crains d'être indiscret. Et si jamais cette jolie jeune femme était une espionne? Oh, ça n'arrive que dans les dessins. Et ça me rappelle que nous sommes prêts pour le grand film.